d'entamer ce discours, j'aimerais que nous faisons une minute de silence en mémoire de nos frères tombés sur le sang d'honneur. Forte vive de la Tapoua, pris par le pied de l'insécurité et vivant dans cette province, souhaitons adresser une déclaration liminaire afin de vous demander le retour des autorités administratives dans le chef-lieu de la province. Nous sommes convaincus que cela est essentiel pour assurer la continuité des services publics et préserver ainsi les fondements de notre nation. Excellence, dès les premiers instants de la crise, plusieurs responsables administratifs nous ont abandonnés en plein vol et pris la tanzette pour pouvoir se réfugier à Fada, plus de 200 km de Diapaka. Là, ils continuent à prendre part aux cérémonies et autres ateliers comme des déplacés bénéficiant injustement des perdiums servis à cet effet, privilégiant du même coup les intérêts individuels au détriment de ceux collectifs, en nous privant des services essentiels tels que l'éducation, la santé, le développement socio-économique, les institutions financières. Cette situation précaire, elle porte préjudice à l'ensemble de la population de la Tapoua et entrave progressivement le développement en tant qu'une nation unie. Nous, habitants de la Tapoua, sommes déterminés à nous battre pour libérer notre pays des griffes de l'instabilité. Toutefois, le retour des autorités administratives à Diapaga est une nécessité criante pour répondre aux besoins et restaurer l'ordre de la stabilité. Nous lançons donc un appel pressant à vous, premier magistrat du Burkina Faso, pour que toutes les mesures soient prises afin d'assurer le retour des autorités dans la ville de Diapaga. Nous reconnaissons également que la lutte contre l'insécurité ne se limite pas aux seules forces de sécurité. Nous, citoyens de la Tapoua, sommes prêts à apporter notre contribution en soutenant les initiatives de développement local, en travaillant main dans la main et sous le leadership éclairé des autorités locales. Et nous restons convaincus que le retour du haut-commissaire, les préfets, les directeurs provinciaux et les agents de l'État conjugués à notre engagement citoyen aideront à restaurer la confiance envers votre gouvernement et favorisons le développement durable de la province. Cette mass meeting intervient après plusieurs tentatives d'approche avec les autorités, les gouverneurs qui se sont malheureusement révélés vaines. En vous réitérant notre soutien total dans cette période critique, nous vous prions d'agréer, Excellence, l'expression de notre plus profond respect. Vive le Burkina Faso! La patrie ou la mort? Réellement que notre objectif a été atteint, du fait que la population de la province de la Tapoua et de la Diapaga ont répondu massivement à notre appel lancé pour que nous puissions rentrer au Burkinabé, que à Diapaga, la Tapoua vit et que nos autorités administratives ont abandonné la province au détriment des intérêts individuels et que la Tapoua à Diapaga, nous avons la sécurité qui œuvre jour et nuit et que nous pouvons revenir pour pouvoir œuvrer pour le développement économique et social de la province de la Tapoua. Parce que dans cette gestion ou de développement de la province, l'autorité administrative a un rôle prépondérant pour pouvoir travailler pour le développement socio-économique de la province. Les autorités sécuritaires qui sont là, en commençant par les militaires jusqu'au VDP, toutes ces 8 corps sont là à Diapaga qui œuvrent jour et nuit pour notre sécurité. Il y a des actions que l'administration civile pourrait jouer. Nous avons vu dans la province la paralysie au niveau des établissements scolaires qui sont jusqu'à présent fermés du fait que l'administration éducative ne sont pas présents. Le DP qui a fui depuis longtemps ainsi que les autres corps ne sont pas présents. Le haut commissaire en premier ressort. Il y a des actions qu'il pourrait mener qui sont endogènes, qui pourraient aider.